La troisième saison de l'émission Héritage vous est présentée par le Château Bellevue d'Amqui. Vous avez adopté 4 enfants. Oui. On a élevé un neveu. Un neveu. Un neveu pour rendre service. Ça a été le premier que vous avez oui, adopté. Oui. Le oui. premier, ça. Oui. On a été 10 ans mariés avant d'avoir des enfants. C'était pour rendre service à sa mère, qui était ma sœur, qui était couverte d'eczéma. Comme on n'avait pas d'enfants, moi, j'ai toujours aimé les enfants. Je me suis dit, mon Dieu, moi, je le prendrais, cet enfant-là, là, parce que c'était... il était chez mes... sa marraine, premièrement, puis après ça, sa marraine était enceinte, puis elle était asthmatique, donc elle n'avait pas la capacité, elle avait déjà sa famille. Elle n'avait pas la capacité d'avoir soin d'un bébé là, qui arrivait, là. Puis un bébé qui était quand même demandant, là. Parce que, comme sa mère ne pouvait pas beaucoup s'en occuper, c'était un bébé de lait. Il ne mangeait pas de nourriture solide. Là. Okay. Il guidonnait du lait, puis c'était tout ce qu'il pouvait guidonner. Mais quel âge il y avait, là? Il y avait, quand vous l'avez pris, quand il vous avait un an. Un an. Nous autres, on l'a pris à 14 mois. Oui, 14 mois. 14 okay. mois. Mais quand il est parti de chez eux, là, il y avait un an. Que mon père l'a ramassé, lui, pour donner, soulager sa mère, qui avait un bébé de l'année 55. Lui, il était en 56. Elle était enceinte d'un bébé pour l'année 57. Elle a eu 16 enfants dans 17 ans de ménage. Ça fait que... Elle suivait les ordres du curé. Oui, c'est ça. Un peu ça, oui. Toujours bien que mon père a amené cet enfant-là à Saint-Vianney. Puis moi, je suis allée me promener à Saint-Vianney. Puis j'ai vu ce beau bébé-là. Hey, j'ai dit, je le prendrais, moi, cet enfant-là. Et, bon. Avec du recul, là, de quoi on se mêlait? De quoi on se mêlait? De se partager cet enfant-là. Sa mère et son père vivaient, mais c'était pour rendre service. Mmh. On ne pensait pas là, de l'avoir si longtemps. Là. On l'a gardé 14 ans. 14 ans? 14 ans. Entre-temps, son père est décédé, subitement. Sa mère est partie avec sa trolley d'enfants vivre à Granby, dans le canton de l'Est. Lui, il est resté ici. Un jour, elle est venue se promener, puis elle l'a remontée avec elle pour faire un tour en ville. Et j'ai toujours été inquiète de ça. Ce qui devait arriver est arrivé. Ils l'ont ramené vers eux, puis c'est là qu'on a payé. Il avait 14 ans. Vous savez, c'est pas drôle à dire, mais c'est l'impression que j'avais.
un petit veau qui sort des étables, là, le printemps, là. Tu sais, il est fou, là. Mais c'était un peu ça, là. Ici, il y avait besoin d'argent, on y en donnait. Mais il n'y avait pas d'argent de poche, là. Madame. Mais là, rendu en ville, là, ils ont appris à fumer. Ils ont appris à courir les cinémas, puis tout. Il n'y avait pas d'argent, les autres. Elle était veuve. Elle prenait son argent où? Bien là, elle devait avoir du secours du gouvernement, je pense bien. OK. Fait qu'à un bon moment donné, il n'y a seulement qu'à la drogue qui n'a pas touché. Ils ont dit, tu nous coûtes cher, toi, là, là. Hey! Ils ont dit, ça fait pas, là. On va t'en renvoyer à Kozabskaï. Mais moi, on avait tellement eu de peine, là. À ce moment-là, là, croyez-le ou non, quand il est parti, là, je pense plus de même, là. Mais j'aurais aimé mieux le porter en terre que d'avoir à le partager. Notre peine, là, oh! Je pense plus de même maintenant. Mais oui, j'aurais aimé mieux le porter en terre. Ouais. Est-ce que vous l'avez revu après? Oui. Oui? Ah oui, 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 oui. Est-ce qu'il vient d'avoir terre? Son père est décédé. Puis quand il s'est marié, il a dit à mon mari, mon oncle, qu'est-ce que vous diriez de me servir de père? De témoin? Ah, oh, ça a été une belle... Vous êtes allé aux noces? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Il s'est marié où? À Granby. À Granby. Puis, oui. Y a-t-il des enfants, lui, là? Il y a une fille. Une fille. Il a passé sa vie, lui, dans les... avant de voyons donc, des appareils, là, comme radio, TV. Oui, c'est ça, dans l'électronique. Okay. Oui. Bon, les autres enfants? Après ça, on a eu Carole. Lui, Martin, quand on l'a eu, il avait 14 mois. Carole, lui, il avait 3 mois. Un bébé du service social. Oui. Il était à Rimouski, lui? À Rimouski, oui. Il avait juste 3 mois. 3 mois, oui. Mais ces enfants-là, Martin puis Carole, là, il n'y a pas deux frères qui s'adonnent comme ça. C'est vrai? Ah! Deux complices. Puis c'est encore le cas, là. C'est encore le cas. Ah oui, 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 oui. Parce que Martin, avec son métier, il a déménagé souvent. Il n'y avait jamais un mec Nicole qui allait aider Martin d'un déménagement. C'est vrai? C'était Carole qui était là. Oui. Qu'est-ce qu'il fait, lui, aujourd'hui? Martin? Oui. Il est toujours... il est à veille de prendre sa retraite. Il a 64 ans. Mais il est toujours dans le même domaine, électronique. Oui. Puis Carole, lui, ben c'est un militaire, ça. Ah, oh, c'est ouais. Carole qui est militaire. Il a été 20 ans dans l'armée de terre. Après ça, il est retourné aux études pour étudier la mécanique aératoire. Parce qu'il était mécanicien en étant militaire. Okay. Fait qu'il a enseigné la mécanique aératoire. Il a enseigné 23 ans, hein? 23 ans à l'école de Saint-Hyacinthe. Est-ce que vous le voyez, lui? Ah oui. Ah oui, oui. Vous le voyez tantôt? Ça, c'est le leader. Tu vois? C'est le grand, oui, le grand rassembleur. Puis les deux autres? Il y a Louise. Louise? Louise, elle est à Rimouski. Oui. Quel âge avait, elle, quand... Louise, elle avait... 8 mois. Wow. Oui. Vous preniez jeune? Oui, 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 oui. Louise, elle avait 8 mois, puis à l'âge de 2 ans, elle a eu le malheur de perdre un œil. Louise, ça? Oui, oui. C'est arrivé comment? C'est arrivé curieusement, cette affaire-là. Aline, ma sœur, qui demeurait dans le rang 4, était montée à l'hôpital de Rimouski, parce que son petit gars venait de se casser une jambe. Elle m'avait demandé pour garder ses enfants. Elle avait quand même plusieurs flots, là. Puis c'était un vendredi 13 en plus.
on était après manger. Moi, j'avais les miens puis la trolley à Aline. Louise est partie avec son bol à soupe. On mangeait des bines. Elle est partie comme ça avec son bol à soupe dehors. Puis, ici, là, à peu près vis-à-vis du miroir, là, c'était pas construit ici, ça. Il y avait un petit chemin, là. Il y avait, les enfants s'amusaient dans la terre ici. Il y avait une roche. Elle a buté sa roche, elle s'est enfargée. Son bol a cassé. Puis ce bol-là a traversé l'œil de 11 à 4. Toute qu'une épreuve. Ça a dû être dur pour vous? Toute qu'une épreuve. Fait que là, moi, surtout mon mari était dans un chantier. J'ai appelé M. Harvey, notre voisin. On est descendu au village. Dans ce temps-là, c'était facile de voir un médecin. Là. On n'avait pas besoin de rendez-vous. Là. Je suis arrivée chez le docteur Réal Lavoie. Puis, il l'a examiné. Il n'a pas passé par quatre chemins. Il a dit, puis crevé par-ci le marché. Et j'ai dit, donnez-moi une chaise. Je me sentais là, les jambes comme des queues d'oignon. Là. Oh. Il dit c'est l'hôpital, puis vite. J'ai pris un taxi, puis on est monté à l'hôpital, à Rimouski. À Rimouski, oui. Oui. C'était le docteur Guy Bérubé qui commençait sa pratique. Il a été marqué, ce gars-là, à vie. Tu vois? Quelques années plus tard, quand on a eu besoin de le revoir pour son œil artificiel, là, il a dit, moi, j'étais en politique, j'étais neutre, mais il dit, je suis conservateur dans ma médecine. S'il y a moyen de le garder l'œil, on va le garder, mais il dit, il n'y a pas moyen. Ouais. Elle n'avait pas 2 ans. Terrible pour vous? Oui, une grosse épreuve, oui. Est-ce que c'était long à vous en sortir un peu? Là, ah, vous en parlez, vous êtes encore ému, oui, là. Oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui, ça a été une de nos grandes épreuves, ça, oui. Puis ça n'a pas été facile, là, quand elle a commencé l'école, puis tout, là, avec un œil artificiel, là. Mm-hmm. Des fois, ça sortait de l'orbite, ça, cette affaire-là, là. Je me souviens, moi, que... Monsieur Dion, le bedeau, là. Oui. Avait un enfant avec un. Lui, il avait un œil artificiel. Monsieur Dion, le bedeau, là. Oui. Je l'ai connu, moi. Oui. Mais c'était lui, une fois, qui avait été obligé de replacer l'œil à Louise dans son orbite. Oui. J'avais eu un téléphone de la maîtresse d'école, puis. Oui. Là, c'est le troisième, celui-là, là, adopté? Oui. Puis le 4. Cathy Micheline. Ah, oh, c'est elle. Oui. C'est celle qu'on a vue tantôt, la belle-fille. Oui, c'est ça. Oui. OK. Ouais. Après ça, vous avez eu vos enfants. 10 ans après, je suis tombée enceinte. Puis, 2 mois et demi de grossesse, j'ai perdu ce bébé-là. Le premier, là? Oui. Puis je suis retombée enceinte de Vincent. À 2 mois et demi de grossesse de Vincent, j'ai voulu refaire la même chose. C'est la belle jeunesse qu'on a vue tantôt, là. Oui. Puis, j'ai pris le lit. J'étais à mettre dans la ouate. Moi qui avais une bonne santé, là, ma santé, elle s'en allait, ça bombe. J'étais obligée de remplir la bouilloire avec la grande tasse, là. Oh. C'était trop pour moi, là, m'en aller en dessous de la champlure pour... Autant que ça. Oui. Le docteur Bergeron m'avait dit, si tu réussis à rendre cet enfant-là à terme, là, puis que tu avais un autre bébé rapproché de lui, tu remettrais ta santé en ordre. 11 mois et demi après que Vincent était au monde, on a eu Sarah.
fini les problèmes de santé. J'ai regagné ma santé. En étant enceinte? Oui. Jusqu'au moment, moi, où j'accouchais, j'aurais pu renverser les montagnes. Mais 3-4 mois, quand je commençais ma grossesse, j'étais à mettre dans la ouate. C'était difficile pour de vous. De santé fragile. C'était difficile pour vous. C'était comme ça à peu près avec tous les enfants? Oui, les 2-3 premiers, là. Ah oui, 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 oui. Mais vous n'avez eu quand même 6? Oui, oui. Ça veut dire que ça en fait 10 en tout? Oui, on est élevé 10, oui. Puis, vous ne deviez pas être fortuné, là. Non, 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 non. Puis, pas trop fortuné côté gouvernemental non plus, là. Ouais. On avait 6 piastres par mois d'allocation par enfant. Ça ne fait pas beaucoup pour y nourrir? Non, non. Faisiez-vous des jardins dans ce temps-là? Oui, oui. Mais avec le temps, là, quand on a eu là, un enfant par année, là, on ne faisait pas de jardin. Mais mon mari travaillait dans un chantier, puis j'ai appris vite, moi, à partager... À vous débrouiller. Oui, 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 oui. Votre mari travaillait dans un chantier, pas loin d'ici? Oui, il était pour la CIP. OK. Oui. Puis... Il revenait toutes les fins de semaine? Oui, okay. Oui, mais il partait lundi matin, puis il revenait le samedi midi. Il y avait un auto? Pas au début. Non? Pas au début, non. Il voyageait entre frères, là, okay, parce okay. que sa famille était dans le rang, là. Puis, OK. Oui, ouais, c'est le frère, oui, 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 oui. Non, non, ça n'a pas été... ça n'a pas toujours été facile. Mais faisiez-vous des vêtements pour les enfants? Oui, 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 oui. Vous étiez capable de faire ça? Ma première machine à coudre, je l'ai eue, ça faisait à peu près un an qu'on était mariés. Puis j'ai appris sur le tas à me débrouiller, hein, oui. Puis j'ai toujours fait ma couture, tout le temps. Tout le temps, oui. Puis vous faisiez à manger, la couture? Oui, oui, oui. Le tricotage? Oui, ça c'était, oui, on avait appris ça jeune. Puis, ça veut dire que vos journées étaient longues? Oui, oui. Ça veut dire combien d'heures à peu près? Là, à quelle heure pouviez-vous vous lever ou vous coucher? Bien, on se levait pour les enfants d'école. Oui. Oui. Ça veut dire 7 heures? Ah, oh, avant ça. Avant parce ça? Que mon mari partait, lui, il était une secousse qui voyageait ça... Il revenait coucher, là. OK. Fait qu'il repartait quand même assez de bonne heure le matin, là. Puis on se levait pour prendre la journée. Puis oui, 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 oui. Faire les lunchs. Oui, oui, parce oui. que les enfants étaient... Ils dînaient à l'école. Oui, c'est ça. Oui, oui. Mais ils n'ont jamais eu d'argent pour prendre le lunch à l'école, là. OK. Puis par respect pour les plus vieux, David, qui est arrivé au monde 6 ans et demi après, là, on aurait bien pu, là, on avait juste lui. Là. Par respect pour les, pour les plus vieux, David a toujours amené son lunch. C'est pour ça. Ça, là, personne ne peut venir me dire, vous l'avez gâté, celui-là. David a ramassé des bouteilles le long des routes. Il a été travailler sur un cultivateur pour payer son permis de conduire. C'est pas nous autres qui l'a payé. C'est lui qui s'est payé, ses affaires. Vous aviez des principes? Oui. Puis vos enfants les respectaient? Oui. Puis il n'y a personne qui peut dire, regarde le petit dernier, là. Non, 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 non. On dit non. tout le temps que le dernier est gâté. Oui, mais oui. Il y a eu le même. Même régime qu'ils ont. La même médecine que les autres. C'est ça. Là, je vais revenir un petit peu sur le passé. Oui. Vous avez connu votre mari Joe. Oui. On dit Joe ou Joseph? Joe. Joe. Parce que c'est Joseph Camille, okay. mais c'est Joe. Ouais. OK, Joe. Oh, oui, c'est Joe. OK. Comment vous l'avez connu? Claude, mon frère, était dans les chantiers pour la CIP. Puis c'était une famille de gosses, ce monsieur Gérard. Là. Il était plusieurs dans les chantiers. Il les a connus là. Puis ma sœur Aline, qui a 2 ans plus vieille que moi, on était filles, bien sûr. Il a dit, j'ai connu, moi, une famille de jeunes gars, là, qui sont vraiment
du bon monde, là. En tout cas, ça apparaissait à du bon monde, là. Ouais, à Claude, là, ouais. Puis, ils sont venus faire un tour, comme ça, Adrien, mon beau-frère, Marie-Aline. Puis, Joe s'est mêlé, lui ici, de venir faire un tour à Saint-Vianney, puis c'est comme ça qu'on s'est connus. Oui, en 1952. Lui, il restait où? Chez ses parents, ici, dans le même rang, à l'autre bout complètement. OK. Oui. Quand on est parti de là, on a seulement traversé le rang. Mais là, je reviens, là. Oui. Il est allé vous voir. Oui. À un moment donné, c'est mieux sérieux, là. Oui, oui. Ça t'a pris du temps, ça, avant que ça devienne sérieux? On s'est connus en 52, puis on s'est mariés en 55. Bon, c'est 3 ans. Oui. De fréquentation. Oui, oui. Mais l'hiver, comme c'était des snows, on se voyait pas. OK. On se voyait pas. On se voyait avec de la chance si les chemins étaient ouverts à Noël. Après ça, ça retournait à Pâques. Si les chemins étaient ouverts. Il fallait être chanceuse, là. Oui. Oui. Puis là... On correspondait. Ouais, mais qui a décidé de se marier? C'est lui qui vous a demandé ou c'est vous qui l'avez demandé? C'est lui. C'est lui? Oui, oui, oui. C'était un peu la tradition. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis là, oui. Le curé a annoncé votre mariage en chair. Oui. 3 fois? Oui. Puis oui. Il disait tout le temps, s'il y en oui. a qui ont... C'est ça, oui. Quelque chose à dire. Oui, c'est ça. Un empêchement à ce mariage. C'est ça, oui. Puis vous, il n'est pas vu. Il appelait ça... mon Dieu, comment mettre les bains? Non, pas mettre les bains. Comment est-ce qu'il appelait ça? Ouais, mettre les bains, moi, ça. Oui, c'est ouais, ça. Moi, c'est ça. Ça. Ouais, ouais, ouais. Puis vous, il n'y a pas eu d'empêchement? Non, non, non. Personne ne s'est levé debout et dire non, non, non. Non, 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 non. Ouais, ouais. Vous faites un voyage de noces? Oui. Oh, mon Dieu, oui, on a fait un voyage de noces. Un beau voyage? Oui. On est allé à Montréal avec une fortune de 15 $ dans nos poches. C'est beaucoup? Oui, pas mal. Oui. Puis en revenant de là... Il restait 50 cents quand vous êtes revenu? C'est ridicule, notre affaire. On était téméraire, on était jeunes. En revenant de là, moi, j'avais entendu dire qu'il y avait mon oncle qui restait à Manceau, dans le comté de Nicolette. On était allés avec mes deux beaux-frères. Mais on avait une bonne voiture, par exemple. Ça, je tiens à le souligner. On avait une voiture qui avait à peu près 1 ou 2 d'âge, mais c'était neuf. Fait que je reviens à ça. Ma tante en question nous donne 5 piastres de cadeaux, de noces. Puis Joe fumait dans le temps. Prends le 5 piastres, va chercher des cigarettes. Aujourd'hui, ce ne serait pas comme ça qu'ils penseraient, là. Hein? Je deviens fâché? Non. Non? Non, non. Ben non, on s'aimait tellement. Non, non, mais tellement. Mais tu sais, c'est pour dire que jusqu'où allait notre pauvreté, là. Ah, ouais. Puis on s'est en allé, on a resté chez M. Girard 1 an. Ça, là, ça a donné une chance, là. Puis M. Girard avait fait voir eux autres que c'était peut-être Joe qui allait avoir le bien paternel. Moi, ça me dérangeait pas, là. J'aidais Mme Girard. J'ai toujours aimé le travail. On était 14 autour de la table. Moi, je faisais... Pourvu que je fasse pas à manger, moi, j'étais correcte, là. Je lavais la vaisselle, j'aidais Mme Girard à besogne. Le lavage, j'étais correcte, j'étais heureuse. Vous avez passé un an là, sans trop... J'ai entendu dire par M. Girard, il y avait la maison ici, qui était à vendre. M. Girard a dit, ça ferait une belle ferme, une belle terre pour Joseph, ça. Ah oh, bien, j'ai compris vite. On s'est emmenu ici. Toute beauté. On achève l'entrevue. Pensez-vous à l'occasion, à votre mort? Oui, ça m'arrive. Ça n'arrivera pas avant 30 ans, remarquez, là. Ouais. 40 ans peut-être, ouais. Bon. Ça arrive. Oui. Est-ce que ça vous fait peur? Et je vais vous dire franchement, non. Non? J'ai tellement hâte, moi, de rencontrer le monde qui sont partis.
Il y en a une méchante gang. Sûrement. J'ai hâte de voir ma sœur qui est morte à 26 ans. J'ai bien hâte de la voir. J'ai hâte de voir maman aussi. Vous êtes sûr que vous allez les voir? Oui. Vous êtes sûr de ça? J'ai pas toujours été sûre, mais là, je commence à l'être. J'ai hâte de voir maman. Ça veut dire que ces gens-là, quand on meurt, on ne meurt pas. On vit autrement. Oui. C'est ça. Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe là dehors? On ne le sait pas. Il n'y a jamais personne qui est venu nous dire. Mais j'ai la foi. Il y en a un qui est venu nous le dire. Il y en a un. Oui. Jésus-Christ. Oui. Il est venu nous le dire. Oui. Lui, il est ressuscité. Oui. Il y en a un. Oui. On ne dit personne, moi je dis tout le temps, il y en a un. Oui, c'est vrai. À cause de la foi. Vous avez raison. Oui. À cause de la foi. Oui. Vous avez un conseil. Là, vos 40 ans sont finis, là, vous avez 130. Bon. Tout le monde est autour de vous. Vos arrière-arrière-petits-enfants sont là. Ça s'appelle Héritage, l'émission. Quel héritage vous aimeriez leur laisser? Je parle pas en argent, là. C'est pas une question d'argent. Je comprends. Ben, si j'avais un conseil à leur donner, là, aimez-vous. L'amour, là, distribuez-en. Ça se retourne contre nous, ça. Puis c'est un beau retour. Tu crois que oui? Oui. Oui. Parce que vous avez donné beaucoup d'amour. Oui. Vous en avez reçu beaucoup. Oui, oui. C'est ça que vous voulez dire. Oui, 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 oui. C'est pas l'argent qui fait le bonheur. Non. Ça rend juste le malheur plus confortable. C'est très bien dit. C'est très bien dit. Oui, oui. Non, c'est vraiment pas. Moi, je l'ai appris à mes dépens, là. On n'était pas riches. Mais il y a toujours eu une providence au-dessus de nous autres. Moi, je suis persuadée de ça. Puis des anges gardiens, il y en avait. On a été protégés. Oui. Ouais. Ah oui, oui, oui. Moi, je... Oui. Oui. Sur ça, je vous remercie beaucoup. Bien, tout le plaisir a été pour moi. Je vais vous dire pourquoi. Vos arrière-petits-enfants, là, ils vont être, ça va être gravé dans leur cœur, ce que vous venez de dire, dans leur intelligence. Ils vont dire, mon arrière-grand-mère, mère, grand-mère, etc., c'est un être plus qu'extraordinaire parce que sa devise, c'est de donner l'amour en héritage. Oui, 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 oui. Puis, je vais vous répéter que ma devise à moi... Oui, c'est ça que je voulais savoir. Oui. Où est-ce qu'on arrache, on s'attache. On va finir sur ça, madame. Alléluia. Merci. Merci.